Sélectionne le piège, ouais, c'est un tuto quoi. C'est vraiment en mode prologue en fait, hein, pour toujours. Bah, qu'est-ce qui me manque? What? J'ai pris tout ce qu'il faut. Attendez. Ah, si, c'est bon, ça l'a validé. Ok, attends. Inventaire. Non. Objet en combat, yes. Ah, ok, d'accord, non, j'en ai déjà fait un, j'ai rien dit. J'ai été trop rapide. Retour chez soi, yes. C'est bon, il me laisse passer? Non? Putain. Par le capitaine qu'on serait prêt à faire face à la Soroko. C'est pas lui le capitaine? Ah non, c'est un autre mec. C'est vrai que j'ai un... Ouais, on... Ah, c'est à 23h le mardi. Oh putain, quel enfer. On verra. Au pire, je pense que je le casterai pas. Et ce qu'on fera, c'est que le mercredi, on en parlera, tu vois. Je me ferai un... Merde. Enfin, on mattera la conf, ceux qui l'ont raté la veille. Les pièges sont prêts. Je me suis bloqué, blablabla. T'as l'air fatigué. Ça ira maintenant que j'ai les pièges, je vais pouvoir travailler. Tu devrais piquer un somme avant, on dirait que ça fait un bail, t'as pas une bonne nuit de sommeil. Ouais, mon gars, je crois que le monstre préfère son repas frais à dispo. Putain, mais... Troy, je te promets, je vais te claquer. Personne apprécie mon humour par ici. Bon, ça, c'est un peu try, ça. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de jouer avec Pookie. Il m'a l'air sympa, ce gars, et on sent que... Pookie, il est calme. Va dormir, il va falloir toute énergie, faire face au monstre. Donc ça, c'est tout nouveau, pour le coup. Et donc, en fait, ils ont un peu prolongé le tuto. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je trouve ça un peu long. Oh, putain, attends, il fait froid, là. Ouh, attends, 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 attends. Deux secondes. Il est toujours aussi poulant aussi. Et c'est un peu long. Après, c'est vrai que ça peut être utile pour découvrir après. J'espère que ça se dynamisera. Généralement, qu'on verra Céline quoi. Tu n'auras qu'à me dire quand tu seras prêt à faire face au monstre. Dès que le compte de son monstre sera réglé, je partirai. Nous sommes bien d'accord, capitaine. Ah oui, mais tu m'étonnes bien. Non, mais je pense pas que je le casterai. Un mardi, ça me fait déjà chier. Le mardi, c'est mon jour off. Je fais des exceptions. Tu vois, pour New World, pour Trails of Fingard, genre de choses, mais c'est tout quoi. Prêt pour la castagne. Toujours. Bonne chance, mon gars. On va vraiment faire un 1-1 contre la bestiole là? Juste avec le piège? Parce qu'un Oroko, c'est un truc vénère de mémoire, hein. Ok, ouais, c'est ça en fait, c'est tout le tuto pour utiliser les items quoi. Ok. Le piège inflige les dégâts aux ennemis, c'est ainsi qu'un effet de saignement. Ah oui, ça lui a fait très très mal, d'accord. Ah, l'analyse! Non, ça c'est sur moi ça, attendez. L'analyse affiche quelques les informations qui concernent Darion. Yes. Ah, nice! On connaît pas encore les faiblesses et tout, ok. Défense, vitesse, etc. D'accord. Pendant votre tour, l'analyse vous permet de consulter toutes les informations nécessaires concernant votre ennemi. L'interaction de l'état, positif, négatif, point faible, résistance, ainsi que leurs compétences. Ok. N'hésitez pas à l'analyse. Ok. Ouais, donc en gros, il saigne quoi. Il a pris un piège, il saigne très bien. Ok. Mode analyse. Top. Ok. Oh, ça va, on le défonce le bordel. Ça va. Tranquille. Il aime pas la foutre, je crois. En vrai, ça passait sans piège. Hein. C'était vraiment pour nous apprendre à gérer les items. Parce que ça passait quand même tranquillement sans le piège. Hein. Beau travail. Il aime bien les boxers Superman Pookie, hein, surtout quand je suis en stream. Maintenant que c'est fait, je reprends ma route. Alors tu vas à Elon, c'est ça. Tu dois juste prendre le chemin à gauche et... Non, je vais un peu plus haut dans la montagne. Tu trouveras rien là-haut, tu sais, sauf la vieille sorcière peut-être. Putain, s'il parle de sa mère, on est content. La vieille sorcière? Oh ouais, crois-moi, t'as pas envie de la croiser celle-là. Hé, hey, Captain, racontez-lui ce qu'elle a fait l'autre jour. Troy, tu fermes ta salière. L'autre jour... Et elle passe nous rendre visite au camp dans sa charrette. En guise de bonjour, elle nous fait rouler aux pieds les deux bandits ficelés qu'elle venait d'attraper. Ah mais ça doit être sa frangine. Je pensais que j'avais été clair, Troy. Je veux pas en entendre parler. Après, elle s'est mise à nous pourrir pendant des heures. Facile. Le soleil était en train de se coucher. Elle montrait pas le moindre signe de fatigue. Dans son idée, c'était notre faute si ces bandits étaient venus pour piller sa ferme. Oh, j'oubliais, à l'histoire du râteau. Troy, je t'ai dit d'y remettre le bouchon. Elle avait ramené son... Il en a rien à foutre. Il est un peu con, Troy, là. Elle avait ramené son râteau. Il était cassé en trois. Elle l'a fourré sous le nez du capitaine pour lui demander qui allait la rembourser. Pourquoi? Parce qu'elle l'avait brisé sur le crâne des bandits. T'écoutes pas ou quoi?
J'ai fait votre boulot, qu'elle disait. Prenez vos responsabilités et remboursez-moi ce râteau. Bon sang. Le capitaine a fini par craquer et lui filer l'argent qu'elle demandait. Et Vlatipa, qu'après elle sort le tabouret qu'elle avait disloqué sur le crâne du deuxième. Entre ça et la corde qu'elle utilisait pour les ficeler, le capitaine a payé pour tout. Je suis trop mon propre bien, c'est sûr maintenant, sûr et certain ma parole. Une bonne chose que la prêtresse était avec elle, sinon elle aurait brisé le reste du râteau sur notre nez. Une prêtresse, tout cela s'est passé quand? Attends que je réfléchisse, j'irai 4 jours, 5 peut-être? 4 jours. Hé hey, pourquoi tu te marres? Elle est encore en vie. Dieu merci, ouais, donc c'est bien, c'est sa mère et sa sœur. Sacrée famille, putain. Sacrée famille! Oh, c'est la taille de la baraque. Très stylé, une baraque en montagne comme ça, avec une vue de ouf. Salut Nilamet. You know, you lose your last nail working in the fields, and it just dawns on you. Enough is enough. Not again, Mom. I don't care if I lose a few years because of the corrosion. It's okay. For the first time in my life, I can stop and contemplate things. Contemplate what? What I've done with my life. You're probably still angry that I sent you to the convent, but... I'm not angry. But I'm glad I did it. I saw a chance for my daughter to become more than a Fuang girl, and I took it. And here you are, 8 years later, a real Sanctorium priestess. I've done something worthwhile, something that will make the gods happy. So, I can die with no regrets. Are you finished? Yes, that's what I'm saying, darling. I'm finished. Listen, I'm sorry to rain on your funeral parade, Mom, but you're not going to die. Oh, I bloody well know that I am, Celine, and you need to make peace with it. I won't make peace with it, and that's the reason I came all the way here. To tell you that we found something. There's a cure for the corrosion, and we will find it. We? And what do you mean by we? Don't you dare bring Darien into your scheme, Celine. He's capable of deserting over bonne something soirée, like complexe. This, and you plaisir. Know it. Well, it's too late now. Too late? I already sent the letter. You did what? Je sais pas ce qu'elle a, c'est... On dirait comme l'autre mec, ils ont une sorte de cristaux dans les mains. Do you know what the consort does to desert us? Believe me, mother. I've put a lot of thought into this. I know what I'm doing. You always think... You know better than anyone else. Because I do. Je l'aime déjà bien, la frangine. By the gods, is this about the voices? It's not about the voices. Is it about the voices? You swore to me that you weren't hearing them anymore. It's not about either of us, Mom. It's about Darien. He needs to know. I kept it a secret for a good reason, Celine. If he deserts because of you, because of this... His death is on your conscience. He's not going to die. And neither are you. Trust me. You sacrificed everything for us. Broke your back, fell sick, the gods know how many times. Now it's time for us to repay the favor. There's no way we're letting that thing eat you alive. You might be ready to give up, but we're not. I'm not. You don't understand anything. I didn't save you from the gutter so that you could throw your life away on a fool's errand trying ouais, to save adoptive. Me. I know how it works at the Sanctorium. Every second you waste here, you slip out of someone's good graces there. I won't let you waste everything because you're scared of losing me. My choice is alors pour la blague, gère très bien la neige et Equinoxus. Go ahead, waste your precious time running around the country looking for an inexistent remedy, Celine. Even if you find it, I won't take it. I'll force it down your throat if I have to. That's not how it works, Buttercup. We're not living in a fairy tale. There's no cure for this.
Not if I have anything to say about it. When the pain is too much. Mais oui, ça va en dire un peu dégueulasse là, effectivement. Myself on the rocks down there, and everything will be right again. Le Nekaro est parti. Ah bah oui. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Hop là. Voilà, tiens. Alors, ah, de mémoire, c'était quand même mieux. Bon, on voit qu'il y a des traces de pas, mais de mémoire, on voyait plus le... Ah, si, si, attends. Je crois que c'est juste la lumière qu'on voit mal. Mais ouais, tu vois, ça s'enfonce bien dans le... Merde, les pas dans la neige. Alors, il gère bien la neige, les persos, ouais. Après, c'est vrai qu'à l'époque, on arrivait, c'était différent. Initialement, quand on arrivait en fait dans la maison, c'était dans une tempête de neige. Et donc en fait, notre sœur nous trouvait et tout, genre frigorifié quoi, pendant l'early access. Ils ont vraiment pas mal changé le story du début. Hein. Enfin, la manière dont ça se. And who might you be, sir? You look quite angry, priestess. If it's food you need, I can arrange something. But if you're here to cause trouble, consider yourself warned. New Genesis, c'est jusqu'à 21h. La matance. Looks like mom's giving you a hard time. What do you mean? Wait. Darian. C'est une early access et qu'il accuse depuis fin 2018. Et là, ils l'ont sorti officiellement quelques jours. Pas exclamation. Sorry, I'm late. I've been busy, you know, trying not to die. You came back. You're alive. 8 years, Darian. When you wrote that you had enlisted, I thought we'd never see each other again. Wait. No hugs. It was hell back there, and I might have caught the corrosion. It's better if you don't come too close. Ah, c'est le COVID, corrosion, though. You say? Show me your left eye. Did you eat any corroded flesh or drink corroded blood? Of course not. Fingers. Don't worry. You're okay. But how... You can't catch the corrosion from Arcolite technology. How can you be so sure? Because I didn't. What the... I managed to sneak a few of these. I've been wearing them for months now. It's a mystery how this sickness propagates. But Arcolite technology isn't a vector. We have to look elsewhere for an answer. And I just happen to know where. Look elsewhere. Okay. Well, before that, how is mom? Where is she? Back there. Okay. Gods help me. Gods can't help you now. Oh, yeah. Ils ont quand même une baraque de ouf, hein. Nid. La graine de la destruction par là, Erana. Stylé. J'aime bien la vue. C'est ça que ça me donne envie de vivre en montagne, en Isère. Tu te réveilles, t'as accès à un grand... C'est trop bien. Salut maman. Darion. Espèce de... Espèce de petit crétin. Non mais je suis con, c'est doublé. Do you know what the consort does to deserters? Mom... Come closer, so I can slap you. No, Mom, I don't want to catch the corrosion. Nonsense. I'll slap you with my health. Always been her favorite. I should have prevented you from joining the army. I should have locked you in the basement until the war was over. Don't ha-ha me, you half-wit. Half-wit, c'est demeuré. Was she glad to see me? She sure was. So, there's a cure for the corrosion? Sounds too good to be true. It might be too soon to rejoice, but I have a very serious lead from a very trustworthy source. Trustworthy? How? Pretty much foolproof. I'll just have to trust you on that. We leave at sunrise tomorrow.
Je sens que sa source, elle est complètement éclatée au sol à la franchise. Donc je précise, hein, je découvre comme vous, hein, ça n'était pas soi, ça moi à l'early access. Hein. Ok, then. You know this will be dangerous, right? We'll be crossing half the continent and risking our pretty little necks at every turn. Celine, I deserted and came here because I want to help you. If you're risking your life to find a cure for the corrosion, I want to be there with you. No matter how risky or dangerous it is. All right. About your desertion. We need a cover story. From now on, you're a mercenary I hired with my own money. You're completely devoted to me ever since I saved you from a pack of monsters. Wait, devoted to you? Yeah? Je pense que c'est le pire dans la vie, ça. The story's all true. Quand tu dois répondre aux ordres de ta sœur ou ton grand frère. I saved your life, right? Oh no, 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 not that old story again. Yes, that old story again. When will you let it go? Probably. Never. Never. C'était sûr. Before we go, I need to prepare enough medicine for Mom to ease her pain while we're gone. Can you help me gather a few still puppies? Of course. Ça me fait penser à Milk of the Puppy dans Game of Thrones. Un peu de drogue. Hop là. Here. These will do. So, Bah, tu vois que les dialogues, c'est pas du Google Trad, hein. C'est qu'ils ont écrit ça en français de base. Faut croire, vu comment mes frères et sœurs n'obéissaient pas. Versus 4 years in the army? It feels like you haven't changed at all. Oh, but I did. The mind-numbing tedium of Sanctorian politics have turned me into a jaded, calculating witch. Weren't you that already? You jerk. What about you? How was your time in the army? Tous mes potes sont morts au combat. On s'est fait massacrer. J'ai vu mes amis mourir les uns après les autres. C'était le bon temps. Have you ever heard of a ritual called the Ascendance? Can't say that I have. What is it? It's I don't know. Just rumors. Stories told around the campfire. Rumors, huh? I admit, I've heard a lot of horrible stories about the front. Well, they're probably all true. C'est vrai. La Dodu s'est sacrifiée pour moi, effectivement. So, ma future ex. Don't want to talk. No. Ma future ex. Ça c'est quand t'as rendu bif dans les relations, tu sais. C'est beau. Hein. Did you get what you need? Yes. Then let's head home. You look tired. I'll cook you something. Oh, no, no, no. Thank you. There's no way I'm letting you near the stove. Hey, I've learned a lot of things in 8 years. Oh, do these things include cooking? They don't. But they include formulas to summon meteors over the heads of heathens who disrespect the gown. Well, I hope you can postpone my own personal apocalypse until after you've tasted the carrot stew recipe I've been perfecting for years. Carrot stew? So good, it's gonna make you cry. I'm not sure crying's the sign of a good soup, Darian. But okay, your reckoning can wait until after dinner. Much obliged. T'es mignon. Retourne à la maison. Yep. Yep, yep, yep. Moi, je veux leur baraque. Ça fait un moment que tu n'as plus été à la maison. Si tu veux faire quelque chose avant de te coucher, c'est maintenant ou jamais. Hein. Parce qu'on partira demain à l'aube, on ne viendra pas ici avant un bon moment. Ouais, on va se coucher, on va enchaîner. Dormir sans manger. Ah oui, c'est vrai qu'en fait, en gros, à chaque fois que tu te couches, tu peux genre, enfin, avant de te coucher, genre, tu peux prendre un repas et comme ça, tu te buffes, quoi. Alors, sois surpris, Mengfeud, mais dans des gros coins de l'Isère, en montagne, t'as souvent, en fait, internet et même la fibre quand t'es relativement proche d'une station de ski. Pour la petite blague, voilà. Vous pouvez observer ici les conversations entre les membres de l'équipe. Pour l'instant, aucune n'est disponible. Bon, on va faire de l'eau. Le but, tu vois, c'est de vivre proche d'une station, mais pas assez proche pour que les gens passent par là, tu vois. Juste qu'ils aient mis la fibre sur le chemin. Où êtes-vous ?
ça que l'Isère est pas mal côté. Ah. C'est pour ça que l'Isère est pas mal côté couverture fibrotique. Il y a plein de petits villages qui sont fibrés comme ça. What was that dream about? Oh. Did you sleep well? So-so. Mom wants to see us off. Okay. Mom, we've got to go now. No need. La 4G est bonne, généralement. Mieux que satellite qui nous suit. Moi, je sens en 4G pour te donner une idée. Be safe. To have a dangerous tendency to go overboard, and always for the wrong reasons. Watch over each other. And Celine, salut, Ken Boy. Keep Darian out of the Sanctuarium's petty power struggles. He's not cut out for that. I'll be okay, Mom. I'm not a kid anymore. Says the guy who risked his life to kiss his mom goodbye. Bah c'est mignon. Le fais pas culpabiliser. Go away now. Before I tear up. Bon. Tip top. Are you ready? C'est un très joli petit jeu. Let's go and save our mother. And the world. While we're at it. Ouais, je pensais à la fin du prologue. Quoi qu'on ait eu, le générique avant, quoi. Yes. On va pousser jusqu'à 21h, je pense. On va être bien. Trouver l'entrée de la mine. Ah, ils ont laissé la mine! Nice, ok. Donc maintenant, ah voilà. Maintenant on est deux dans l'équipe. La météo peut affecter les résistances et faiblesses en combat. Elle peut également appliquer des altérations d'état. Les éléments qui apparaissent en surveillance sont renforcés, alors que ceux en rouge sont diminués. Oh, I bet you're enjoying this. Hey, you're the one who... Ah, j'ai pas le temps de faire mon attaque. I love to use the force this way. Ne pas déplacer un personnage sur un Nexus occupé par un autre. Alors les compagnes. Ouais, donc ça il parle des quêtes secondaires, effectivement. Alors, Darion. Bah, tac. Là. Alors, Selene, logiquement, elle a des sorts de feu trop stylés. Si elle arrive à les caster. Va-t-elle réussir à le caster? Ouais. C'est bon, les attaques d'Arion. C'est long un cast, hein, comme vous pouvez voir. Allez, et de 1. Allez, Selene. Pouf. Tout ça pour ça. Je m'attendais à mieux, hein, Selene. Vous avez des invocations et tout dans le jeu. Hein. Genre vraiment FF avec des grosses invoques, des trucs qui ont pété. C'est comme, je sais pas si vous vous rappelez, dans la FF, vous aviez. Comment ça s'appelle? Feu 1 qui était tout nul, comme là. Et puis vous aviez Feu X, je crois que c'était le plus puissant de mémoire. À chaque fois, et bah là c'était un énorme brasier, non je crois que c'était brasier. Ça je crois que c'était brasier. Brasier X. Et là ça devenait des trucs de dingue quoi. Oh y'a un coffre, attendez. Je l'ai réussi ou pas l'attaque? Avantage au joueur, yes. Ouais là, résultat, tac, on attaque le fight, ils sont stun, boum. Putain mais est-ce qu'il leur met Darion bordel? Hop, on va attaquer celui-là. Darion qui rejoue. Hop, lame de foudre. Si ma mémoire est bonne, les... Ah là! Non, c'est bon. Les points de vie et les points de mana reviennent entre chaque fight, je crois, en vrai. C'était pas le tuto, hein. Il me semble que c'est juste comme ça dans le jeu. Hein. Ce que je trouve honnêtement très bien, c'est comme dans... Je crois que c'est dans Monster Sanctuary qui avait ça aussi, qui est un Pokémon-like, mais c'est dans le sens où c'est un RPG. Tu le prends pas la tête, tu vois, à devoir... Par contre, t'as l'énergie de l'équipe. C'est que si tu t'amuses à trop combattre, bon, il y a quand même genre des dizaines et des dizaines de combats à faire. Hein. Eh bien, il faut quand même que tu te reposes, quoi. De l'énergie que vous avez en bas à droite. Hein. Bah c'est ça, tu vois, ça c'était insupportable. C'est que d'avoir une limite, mais qui est pas trop pénalisante. Tu vois, les gens de l'équipe, là j'ai fait un fight, on a 99%, ça va, on va survivre. Trouver l'entrée de la mine. Oh putain, ça va. Franchement, c'est super... Ah, sauvegarde. Bien sûr, je vais sauvegarder. Hein. Hop là. C'est vraiment très très joli, là, les décors. Y'a un coffre. Ah, attendez, y'a un coffre là-bas. Je vais faire mon Pookie, je vais exploser. Oh! Bim! Alors, on a bien entendu le son comme quoi je stun le bordel. Terminer le combat sans jamais utiliser deux fois la même compétence. Ok. Ah, je suis pas porté. Merde.
Tac. Je ne sais pas, j'ai pas joué à Dofus. Je pourrais pas t'aider avec Noxus. Alors, tu as des objectifs à remplir pendant les combats si tu le souhaites, secondaire, pour avoir des bonus en plus, oui. Comme ne pas te déplacer sur tel endroit, petit, comme tu vois, deux attaques similaires à la suite, ce genre de truc, toi. Je sais pas si ça. Je n'ai jamais joué à Dofus de ma vie. Ça fait partie des rares MMORPG auxquels j'ai absolument jamais joué. Oui, tel fight. On va se taper tous les fights du jeu, hein. Oui, donc comme les challenges dans le Dofus. Et merci Kenboy. Bah ça marche, là tu regardes. Alors, oh. Attends, hop et. Ah. Mais non, mais je veux le focus lui. Putain.